Le jeu t'intéresse, ouais, mais après, faut voir ce qui t'intéresse de base, si c'est la survie ou la construction. Si c'est la construction, il y a moyen de faire des trucs, mais faut se faire beaucoup plus mal au crâne que sur The Forest. Et en vrai, t'es assez limité dans certains trucs. Non, non, je suis con, c'est pas bon, c'est clair. Là où The Forest, les limitations, bah, c'était compliqué. Quand le jeu est limité dans un truc, il y avait souvent une manip ou un bug pour contourner le délire. Après, si c'est la survie, ouais, la survie, waouh! Ils se sont mis à fond là. Hein. Là, Night Game, il a tout donné. Hein. Là, il a tout donné dans la survie, hein, franchement. Hier j'étais sur la roue du jeu là pour bon, parce que ça me fait triper, moi j'aime bien. Puis j'étais avec le fusil à pompe et tout. Puis je m'approche du cannibale pour lui tirer dessus, tout ça. Et puis là le truc il essaye de il fait des esquives, il fait 2-3 esquives, j'arrive pas à lui tirer dessus. Il esquivait des balles le truc. Après il a voulu me taper et tout. Franchement ils ont des animations hallucinantes, ils sont vachement fluides, ils sont pas buggés les cannibales par rapport à avant. Maintenant ce qu'il y a à faire en survie. Bah, déjà, t'as toute l'histoire du jeu qui te prend un peu de temps. Et ils ont rajouté des grottes. Les deux boss du jeu sont assez relous. Et donc, il y a du temps à passer sur eux pour savoir comment les faire. Mais bon, j'appelle pas ça des boss compliqués. J'appelle ça des boss. C'est un peu mal foutu, quoi. Si le boss il te renverse, c'est que pendant que t'es renversé, il peut te taper. C'est un peu relou, tu vois. Après, non, il y a tout ce qu'il faut. Il y a niveau bouffe, tu peux chasser tout ce que tu veux. C'est comme avant, hein, au niveau de la chasse et de la pêche. Là, surtout au niveau du combat de cannibale, que ça a beaucoup changé. Après, je sais qu'il y a des minerais maintenant pour upgrade des armes. Donc, tu peux miner dans les mines, enfin, dans les grottes. Là, tu vas miner le truc, l'or, et puis tu upgrades les armes. J'ai pas trop joué à la survie, j'ai dû faire quoi? Allez, 50 heures de survie là, et puis le reste c'est de la construction. Donc là j'ai pas accroché, ok. Donc j'ai pas accroché, faut que je fasse ça au-dessus. Là, faut que j'accroche au-dessus, en fait. Si j'accroche au-dessus, je fais mon carré par rapport à... Hop. Oh non, le bateau là, c'est un truc. C'est plus facile à faire dans The Forest. Il y a beaucoup plus de mécaniques qui permettent de faire un truc. Attends, t'as raccroché quoi là? Pourquoi tu veux pas enlever cette bûche? Parce que y a ça qui passe dessus. Oh là là, toi t'as raccroché un truc qu'il fallait pas accrocher. Toi, t'as fait une connerie, toi. Mais bon, ça peut rester vu que ça va avec ça et que ici je vais faire un truc. Un truc comme ça. Ah ouais, le poteau que je peux pas mettre. Et que j'ai besoin pour amener une barre là. C'est ça qui te gêne. Tu sais, moi, sur un pixel, je dirais que c'est ça qui te gêne, tu vois. Tu vois? Tu comprends?
Tu comprends, jeu? Donc pourquoi me casser les couilles juste pour une connerie de toi, en fait? Espèce de guignol. Ok, ça serait ici. Comme ça, là, je fais... Hop, hop. Mais je pense qu'il va péter un truc, en fait. Quand je vais faire mon carré, je pense qu'il va le péter parce qu'il a fait une dinguerie ici. Il veut pas enlever cette barre. Il a dû faire une dinguerie que j'ai pas trop envie de qu'il fasse, mais bon. Du coup, là, j'ai un carré, ouais, qui tiendrait cette barre-là. Du coup, le petit truc en bas, là, il servirait pas. Et il faut le décrocher. Sur l'extérieur. Il faudra décrocher le carré. Ah, ouais, non, c'est bon. C'est le carré du bas qui fait voler le carré du haut. Le carré du haut n'a pas besoin de voler. Du coup, ce truc qui est accroché au carré du haut, ici, il tiendra. Et ici, il tiendra grâce à la mécanique qui fait voler. C'est-à-dire la poutre en treillis. Pour enlever ce poteau et ce poteau. Donc, il faut que j'enlève ce poteau passant par ici. Allez, juste tu la mets. Après, pour casser, je me démerde. T'inquiète, moi j'ai les techniques maintenant. Voilà, juste tu la mets. Moi je la détruis. Tu vois ? Ouais, c'est bon. Je vois la bûche, donc c'est bon, je peux détruire. Maintenant, avec la nouvelle technique pour détruire les poutres en treillis, là, on a une précision mortelle. Non, pas avec ça, attends. Ça va pas la tête. Je vais tout péter si je fais un coup de lance. On va y aller au flingue. Alors, si je tire ici, c'est bon? C'est la poutre en treillis, là, que tu vises? J'ai pas l'impression, moi. Il faudrait peut-être enlever le poteau avant de faire ça, non? Ah bah oui, c'est vrai, c'est les poteaux, c'est quatre trucs, pardon. Arrête de bloquer. Quand j'enlève un truc, tu enlèves et après tu arrêtes de bloquer, en fait. C'est fou, ça y reste bloqué, tu forces avec ta souris, hein, tu peux l'amener jusque dans ton chiotte, la souris. Hein. Le personnage, il va rester comme ça. Parce qu'en fait, pendant qu'il annule quelque chose, des fois, il a tendance à ne pas bouger. Tiens, je sais pas, moi, on peut pas avoir un exemple. Hein. Il a tendance, tu vois, quand j'annule, je peux pas bouger. Là je fais droite-gauche avec ma souris, je peux pas, tu vois. Parce que j'annule. Et donc, quand des fois, ce jeu de merde mal fait, mal codé, bug, il a fini d'annuler, mais il bouge plus. Et ça peut être dangereux. Sachant que ce connard de jeu, il aime annuler des trucs qui sont en arrière-plan. Putain, franchement con, quoi. Bon, maintenant... C'est quoi ce bordel? Tac, faut que j'enlève lui, donc un coup de pistolet. Non, mais deux pistolets. Donc il est où le pistolet? Sur 3 ou sur 4? Ok. Je crois pas que ce soit la poutre en treillis qui tire là. Hein. Bon, on va refaire un essai. On va refaire une tentative. Voilà, répare bientôt. On va viser par ailleurs, genre ici là. Voilà. Parce que c'est dur de viser ici avec la lance. Et là, t'enlèves ce poteau. Non, ce petit quart là. Il veut pas, pourquoi? Pourquoi il veut pas?
C'est déjà compliqué, mais si en plus tu... Faut faire quoi? Faut viser dans un endroit précis ou... C'est marrant, toi tu veux virer cette bûche, mais moi c'est cette bûche que je veux virer, tu vois. Parce que ça repose là-dessus. Et ça, c'était pour... Pour faire un truc de dessus. Ouais, mais ça, je peux plus l'enlever parce que du coup, mon carré volant repose dessus. Ok, alors bouge pas, on va essayer un truc. Non, 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 commence pas à faire de la merde parce que c'est déjà assez technique. Et si en plus tu me fais perdre le fil en me faisant faire plein d'autres manipulations de merde qui ne servent à rien, c'est fini. Tu vois, c'est un délire comme ça en fait. Son of the Forest, c'est ça. Soit tu gênes. Dégage, tu gênes, on a fait un truc, voilà. Voilà, mets ta merde, voilà, fais un carré, enlève la barre là, qui me casse les couilles, voilà. Mets la barre... Putain. Ça, de toute façon, c'était pour voir, en vrai. Voilà, ça, c'était pour voir, et j'espère que je pourrai le refaire, sans tout démonter. Ça veut dire que, voilà, en fait, tu me gênes. Ok. Là, c'est beaucoup plus clair. Toi aussi, tu me gênes. Enfin, toi, t'as tendance à me gêner. Tu ne sers plus à rien. J'ai fait tous les tests que j'avais à faire sur toi. Alors... Donc mon carré à volant, connard, il repose sur toi. Mais tu veux pas parce que là, mais là, tu veux pas parce que t'es débile, tu vois. T'as un jeu complètement con. Là, il y a quatre quarts. Tu vois, là, il y a quatre quarts. Moi, quand je prends une bûche, hop, tu vois, je pourrais la poser ici parce que des fois, tu le fais. Pourquoi? On n'en a aucune putain d'idée. Et là, tu veux pas le faire. Donc, je vais te forcer à m'obéir. Je te jure, hein, regarde, tu vas voir. Je vais te forcer à m'obéir. T'as vu un peu? Je t'ai forcé à m'obéir. Franchement, qui me prend pour un con, celui-là? Qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien, ça. Saute, mets un poteau, je veux pas mettre le poteau, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Là, mon objectif, c'est pas ça pour l'instant, c'est autre chose. On part sur un autre débat là. Voilà. Voilà, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, toi, tu sers à rien en vrai. Alors. Toi là, tu dégages. Si en haut ça se pète, je m'en bats les couilles. Bon, après c'est relou, mais vas-y. Elle. Tape dessus d'en bas, je m'en bats les couilles. Mais tape vraiment dessus. Hein. Là, j'ai mis la barre après, il va me dire qu'elle repose, la diagonale repose dessus, donc il pète tout parce que c'est ça. Je fasse quoi? Je sors une bombe et on règle le problème. Ouais, voilà, c'était sûr.
Je lui ai mis la barre après, donc la diagonale, bah, elle repose dessus. C'est logique, hein. C'est logique, avant que je te mette une baffe dans la gueule, t'as une marque rouge. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Tout fonctionne à l'envers. Complètement débile, quoi. Donc, maintenant, la barre, tu la remets, vu que t'es débile. Voilà. C'est fou, parce que ça sert à rien, ce qu'il a fait, en fait. Faire tomber la barre, là, ça sert à rien. Voilà. C'est, voilà. Ça sert à rien. Donc, ici, il y a ça. Ok, là, il y a ça. Ok, là, il y a la pointe. Ok, là, il y a l'extension de la pointe. Ok, et là, il y a la suite de l'extension de la pointe. Et après, il y a ça. Tout ça pour cacher le trou qui est ici. Là, entre les deux, là, il y a un trou, après, qui... Bah, tu sais, c'est comme ça, hein, dans un jeu, ou dans n'importe quel truc, même quand tu fais un trait, en vrai, là, tu fais un trait comme ça, et t'en fais un légèrement décalé, si tu le prolonges ton trait, à la fin, il fait 1 kilomètre de large entre les deux, quoi. C'est sûr. C'est exactement ce qui s'est passé. Allez, nique. Non, mais c'est bon. Enlève tes merdes, et... C'est fait. Maintenant, il faut tout ça sur carré. Mais... Il faut aussi une prolongation de ce côté parce que je vais avoir le même problème. Après, potentiellement, l'inclinaison n'est pas la même. Mais bon, c'est pas grave. J'aurai forcément un trou ici. Hein, si je fais ça, là. On va voir qu'il y a un trou, c'est sûr. Ouais, non, ça sert à rien. Non mais ça sert à rien. La première oui parce que voilà, mais voilà. Ouais, tu vois, ça fait un trou, donc ça fait dégueulasse. C'est bon. On va faire une prolongation de l'autre là. On va faire une petite prolongation de celui-ci. Et du coup, faut faire la même chose que l'autre côté. Faut créer un carré sur ce carré. Et là, il faut du coup un poteau. Hop, casse les couilles. Il faut un poteau. Et il faut un poteau. Ah! Attends, parce que le truc c'est que tu sais pas toi-même si tu dois te lever ou te baisser. Donc, tu te lèves, tu prends ta bûche, tu avances vers l'objectif. Voilà. Et c'est quoi c'est ça là? Non mais sors. Annule, voilà. Et te faire propulser comme ça, quand t'es bloqué dans un décor, c'est pas possible de base. Me balancer comme tu viens de faire, là. Ok, mais ça c'est le poteau de ce carré. Moi je m'en bats les couilles. Je veux le poteau de l'autre carré. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. C'est ma faute, je suis débile. C'est vrai, je suis vraiment un con, quoi. T'as vu, le mec, il est tellement débile, quoi. Franchement, c'est fou. Hein. Je suis vraiment débile. Hein. J'ai fait le toit. C'est ma faute. J'ai fait le toit. Je suis idiot, j'ai fait le toit, quoi. Qui l'eût cru qu'il fallait pas construire totalement dans le jeu, ouais. Putain de sa mère. Tu vas mettre la bûche, là, ou tu vas trouver une excuse? C'est quoi cette flèche là? Elle est chelou. C'est pas grave. Non mais regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. Non mais enlève le. Voilà.
ce que je vous ai dit là juste avant, que ça peut être dangereux, vous avez vu ici ce poteau, il pourrait s'accrocher. Bah, c'est ce qu'il vient de faire. Ce poteau, une des deux barres, s'est accroché à ça. C'est exactement ce qu'il vient de faire. Donc, voilà, vaut mieux taper avant, c'est ça? Parce que là, si j'aurais tout enlevé pour que machin, il l'enlevait en manuel, il l'aurait accroché automatiquement. Mais vu que j'ai pas tout enlevé, j'ai pu taper dedans sans qu'il casse. Parce que c'est logique. Ça va pas là, en fait. Ah non, là, c'est autre chose, c'est une autre histoire. C'est ok, bah bouge pas. On va faire ce que je voulais faire, de toute façon. Moi, je voulais juste un demi, là. Parce que le but, c'est quand même de monter. Après, je le pète tout, moi, je m'en fous. Ah, ok, non, ouais, c'est bon, j'ai compris. Faut tout péter, du coup. Ouais, c'est peut-être lui qui tient tout, du coup, non? Bizarre, ça. Hein, l'autre, il pète tout seul, lui, il casse-couille. Donc ça veut dire que c'était le deuxième quart qui tenait. Laisse-moi chercher. Il tenait la diagonale qui était ici. Bon. Ça va être compliqué. Parce que je suis obligé de faire les deux en même temps, je pense. Parce que si j'accroche, je raccroche le truc qui vole, mais il vole pas, putain. Ici, il vole. Non, mais je suis pas obligé de raccrocher la plateforme qui vole, le carnet, le truc de la pointe là, non. C'était avant ça, donc maintenant c'est au-dessus de ça. Donc au-dessus, carré volant indépendant. Donc je devrais faire le plus. Oui, non, je devrais pouvoir faire d'abord un, en fait, de côté, on a un, et après l'autre côté. Comme ça, je me concentre pas. Là, je suis sur les deux côtés, en fait. Je suis en train de m'éparpiller. J'ai soif, c'est chiant. Putain de merde, de conneries, qu'il faut tout refaire. Ouais, fais ça parce qu'il me faut le lac gelé de toute façon. Et puis voilà. Voilà. Vas-y, saute, putain de con. Voilà, un super jump. Tu te fous le feu, tu forces rien clear, et on n'en parle plus. Oh, j'en ai marre, tu me saoules. Voilà. Saoulé là. Non mais c'est bon, range ton briquet. Range tout. Merde. Eh, oh putain. Ma gueule! Alors. Ouais, lui là. Ouais, lui c'est un problème. Mais en vrai, il va me casser les couilles. Il va me dire ouais, mais. Gna gna gna. Il va me dire qu'il peut pas le faire. On va le faire en même temps que l'autre. Bon, c'est pas grave, je vais la couper moi. Et il est gravement con celui-là. Hein.
Il est gravement con, quoi. Ok. Hop, hop. Donc là, j'ai le truc de là, j'ai le truc de là, ok. Et il doit aller sur un carré dans l'intérieur ici. Carré qui tiendra sur ce carré. Avec ce quart, ce quart. Non, c'est pas ce carré là. Non, c'est le carré qui c'est celui-là. Et celui qui n'existe pas encore. Mais il va s'accrocher là. Parce que c'est un con. Ouais, et dans tous les cas, il va s'accrocher là et là, quoi. Donc, il me faut lui aussi. Et faut que j'enlève ça. Oh putain. Qu'est-ce que t'as enlevé? C'est du plancher, celle-là de que là? Ça va alors. Ok. Ensuite, tac. Donc le carré qui va ici, et qui va ici, et qui va ici, et qui se ferme ici. Je décroche de là et là vers l'extérieur. Et du coup, il faut après carré au-dessus. Vas-y, vas-y, mets-toi ta barre rouge. Mets ton trait rouge de merde! Alors. C'est ce poteau qui doit sauter, donc ici. Je crois, ouais. Et ici. Mais il faut aussi virer celui-là. Sinon je peux pas virer la petite merde qui aura au-dessus. Arrête de bloquer! Parce que moi quand j'annule un truc, j'annule, après je regarde en bas, j'annule, et ainsi de suite. Si tu bloques, ça descend pas, j'annule, tu prends un truc derrière et tu me niques la gueule. Voilà. Donc ta mère la pute, là, ta mère la grosse salope, la pire des putes si tu veux, mais arrête de me faire chier.
Et là, il veut pas enlever le petit char parce qu'il y a la pétasse en dessous. Mais c'est fou le débile, quoi. Et là, si je fais ça et que je décale le problème. T'enlèves pas ça, ouais. Et si je le casse? Tu vas le casser parce qu'il n'y a pas de carré qui tient ça. T'es vraiment un con, quoi. Putain, c'est hallucinant d'être aussi débile.